Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer VNC Server. Je vais vous montrer l'installation et la configuration sur n'importe quel Linux. Il faut savoir que VNC Server s'installe sur la machine que vous voulez prendre le contrôle et sur votre PC local il faut installer VNC Client. Voilà, je me connecte à la machine Linux en SSH et je fais toutes les mises à jour, update et upgrade. Une fois que c'est terminé, j'installe VNC Server. Alors je fais sudo apt-get install tite VNC Server. Alors pendant l'installation, il va vous demander de taper deux fois le mot de passe et il vous pose la question si vous voulez faire une session view only. Vous mettez N, ça veut dire non. Une fois que c'est fini, vous tapez tite VNC Server et là il va créer une interface graphique, une session graphique. Vous pouvez vous y connecter à la distance. Moi il m'a fait la 2.1, donc je tape l'adresse IP de la machine Linux 2.1 dans mon VNC client. Je mets le mot de passe de la machine Linux, enfin le mot de passe que j'ai choisi avant pour VNC sur la machine Linux. Voilà, c'est bon, je suis connecté, j'ai le contrôle. Il faut savoir que VNC, contrairement à SSH, n'est pas encrypté. Si vous avez des choses importantes, c'est mieux de le faire en SSH. Une fois que j'ai terminé, alors je ferme la session. Alors je fais -kill 2.1 et ça ferme la session graphique complètement. Cette vidéo est maintenant terminée. Regardez mes autres vidéos et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.